Thank you.
Il fait beau aujourd'hui sur le circuit Paul Ricard. Bonjour à tous et bienvenue pour vivre ensemble ce Grand Prix de France historique 2021 en direct du circuit Paul Ricard. Il fait beau aujourd'hui, 22 degrés ici en France sur ce magnifique circuit historique de 5,8 km comportant 15 virages avec une longue ligne droite du Mistral entrecoupée de la chicane nord. C'est le layout qu'ont choisi les directeurs de course. On va passer en revue ce circuit avec une brève présentation d'un tour en Formule 1. Donc sorti d'une épingle, une longue ligne droite de départ arrivé. Circuit mythique de ces bandes bleues sur les côtés évidemment. Et la première difficulté du tracé, c'est évidemment CS de la Verrerie. Très technique, très bosselé. Voilà, on nous l'a mis en grand écran. Et ici un enchaînement de Sandbaum. Aussi très technique, où il peut y avoir des dépassements sur ce virage là. Et une sortie ici sur la plus longue ligne droite du circuit. La ligne droite du Mistral extrêmement mythique. Autrefois très longue et maintenant entrecoupée d'une longue chicane. Qui a été beaucoup décriée par les fans. Voilà, c'est la freinage à 100 mètres pour les F1 modernes. Chicane assez rapide tout de même, mais quand même très bosselée. Il va falloir faire attention. Je pense qu'il y aura des accidents et pas mal de dépassements dans cette chicane. Et là, un des virages les plus mythiques au monde, la courbe de Signe, qu'on passe à fond maintenant en Formule 1. Mais on verra des voitures, notamment c'est des années 70 juste après, ralentir pas mal. Et ici, le double droit du Bosset, très technique, où là il faut se suivre. Il n'y aura quasiment pas de dépassement. Et ici, la partie, on peut dire, un peu la moins intéressante du circuit. Pas mal de courbes rapides pour terminer sur ce gauche-droit. Gauche rapide sur une dernière épingle. Et voilà un tour ici au circuit du Castellet. Nous allons bientôt vivre ensemble la toute première course. Il y aura plusieurs courses aujourd'hui. Et nous allons vivre une course de voiture des années 70, de 72 à 82 pour être plus précis. C'est parti. Les 5 feux s'allument quand ils s'éteignent. C'est parti, on roule au Paul Ricard. Départ un petit peu compliqué pour tout le monde. Le train s'élance assez paquet, comme on peut dire. Et ils descendent vers l'est de la Verrerie directement. Et c'est une McLaren de 84 qui a pris l'avantage. Et voilà, un petit peu de vue sur le peloton de derrière. Oh, attention, ça fait déjà des 2 voire 3 de front ici en arrivant dans l'enchaînement de Sainte-Baume. Oh, attention, gros contact ici. Une McLaren en perdition. Ouais, c'est celle-là. McLaren de 76. Gros contact ici avec la Ferrari de la même année. Et ils vont directement déboucher sur la ligne droite. On va voir la différence des cylindrées de moteur selon les années. Voilà, McLaren ici totalement en tête. La McLaren de 84 qui a vu ses deux pilotes, Niki Lauda et Alain Prost, être champion du monde à un demi-point d'écart. Et ici, les mythiques Lotus de... je crois que c'est là, celle de 72, si je dis pas de bêtises. Et voilà, là, regardez, ça ralentit dans la courbe des signes. Départ un petit peu ça. Non, voilà, c'est celle-là, les Lotus de 72, les 72D. Qui vont être un peu les outsiders dans cette course. Oh, attention, ça tente des deux de front ici dans le double droit du Bosset. Ouais, elles vont être un peu les outsiders. Elles ont... c'est vraiment les plus vieilles Formule 1. Et alors qu'ici, une attaque est proposée par une Lotus de 78 sur la McLaren qui est 2 ans plus vieille. Vous voyez que c'est très compliqué dans ces courbes rapides pour ces voitures de ces années-là. Et alors que devant, elle fait sa vie, la McLaren. Vraiment toute seule, je pense qu'elle sera pas inquiétée de toute la course. Course de 5 tours, évidemment.
pilotage vraiment très propre de la part de la McLaren. Ou alors qu'ici s'attendent des freinages dans Sandbaum. Mais ça n'attaque pas tant que ça aussi. Les pilotes, je pense qu'ils ont vraiment envie de profiter plus que de faire la course. Et oui, cette longue ligne droite, on voit vraiment super loin. On ne voit même pas l'arrivée. Et attention, devant, ça se décale pour tenter de faire un côte à côte au freinage. Et peut-être que la McLaren va passer sur la Ferrari de 76. Et elle est passée. Elle est passée, cette McLaren de 84. Sans grande difficulté, hein, honnêtement. Avec presque 10 ans d'écart. Ça a été un petit peu facilité. Et ici, peut-être, non, ça va pas faire de fond dans Signe. Ce serait beaucoup trop risqué, voilà. Oh, attention, si ça a fait un 2 de front ici, elle a passé sur la Lotus. Magnifique. Grand pilotage qui nous est proposé ici. Par le pilote McLaren. Et ça se suit. C'est en train de faire des remontadas dans tous les sens, pardon. Ou ici ça glisse. Pas mal de pertes d'adhérence là pour la McLaren de 76. La M33D pour être plus précis. C'est le nom du modèle qui est suivi par une Lotus de 78. Oh, ça suit très près ici. Ça va faire un côte à côte au freinage dans les S de la Véry. Et même peut-être une troisième voiture qui va venir s'intercaler. Attention, la Ferrari est passée. Mais derrière, entre les McLaren, c'est assez serré. Une de 84, une de 76. Attention, elle va sans doute passer à l'intérieur. Bon, là, en caméra embarquée ici. Et oui, elle est passée. Elle prend sa distance quand même et elle referme. Ok, elle est passée. Elle a eu la confirmation via les rétroviseurs qu'elle était passée. Elle a refermé sans aucun doute. Et peut-être même reprendre l'aspiration directement ici sur la Ferrari. Dans la ligne droite du Mistral, la première portion. Ah, ça va passer. Ça va passer sans grande difficulté. Faire très attention. Plus les voitures sont anciennes, plus elles freinent mal aussi. Donc, faire attention, les pilotes qui ont des voitures plus récentes, à pas trop être brusques sur les freins. Et on voit que les performances sont en train de se distancer vraiment entre les années. On voit vraiment que les plus récentes prennent un large avantage sur les plus vieilles. Et il va rester 2 tours pour la McLaren de tête qui doit presque s'ennuyer. Enfin, quoi qu'on s'ennuie pas au volant de ses voitures. Et suivi par une Ferrari de 79. Et puis une Lotus, d'accord. C'est ça le classement pour l'instant. Ou alors que c'est vraiment ici le peloton le plus animé entre ces 4 voitures. Ou peut-être côte à côte ici au freinage. Et elle est passée. Une Ferrari sur une Ferrari. Et c'est là qu'on peut voir quand même que les pilotes ont pris des casques modernes, n'ont pas pris les vieux casques de Formule 1 des années 70-80. Et alors que là, la Ferrari va déboîter sur une autre Ferrari, encore à l'aspiration. C'était les deux mêmes que tout à l'heure. Il va prendre sa revanche et il est passé. À l'approche. Ah non, c'était pas les deux mêmes Ferrari. Et contact ici, elle insiste à l'extérieur. Côte à côte dans la chicane nord, pardon. Où elle est quand même passée, cette Ferrari de 79.
Oh, alors petite dérive ici pour ce pilote. Et on aborde le dernier tour pour le leader. Il va rester un tour à la McLaren pour prouver qu'elle est patronne du circuit, patronne de la catégorie, qui va de des voitures de 72 jusqu'à 82. 10 ans d'histoire en une seule course. Et encore 5 voitures ici en bagarre pour un dernier tour d'honneur. Ça va être très intéressant de suivre ça durant tout ce tour. Et j'ai l'impression que pas d'accrochage pour l'instant, pas de gros accidents, enfin accrochage si évidemment, mais pas de gros accidents dans cette course. Alors que là, entre les deux Ferrari, c'est vraiment très serré. Le pilote de celle de 76 fait un gros job parce qu'il arrive à résister à une Ferrari beaucoup plus récente. Enfin, de 3 ans, c'est pas beaucoup, quand même. Ah, il se fait distancer en ligne droite, c'est terminé pour lui. Et voilà les outsiders, le dernier de la course. Avec sa Lotus. On nous permet quand même, la régie nous permet de la voir à l'écran. C'est vraiment sympa. Surtout qu'elle a un bruit absolument mythique. Mais évidemment, elle peut pas trop se battre contre les autres voitures. Et voilà, voilà celle qui va aller rallier l'arrivée en première position. Cette McLaren de 84, mythique voiture. Championnat mythique entre Prost et Lauda. Le troisième titre de Niki Lauda. Et elle va venir s'imposer ici au Paul Ricard. Elle prend la première place. Voilà, course absolument magnifique de ces voitures des années 70-80. Menée de bout en bout par cette McLaren. Et c'est une Lotus, puis une Ferrari qui vont venir... Une Ferrari, puis une Lotus, pardon, qui vont venir compléter le podium. Et voilà, c'en est fini pour cette course. Et on va pouvoir, dans quelques minutes maintenant, passer à la course des voitures de 88 jusqu'à 98. Encore 10 ans d'histoire pour la prochaine course. C'est dans une petite dizaine de minutes maintenant, le temps que les pilotes et les voitures se préparent. A tout de suite.
Et nous sommes de retour ici en direct du circuit Paul Ricard pour vivre la deuxième course de ce Grand Prix de France historique. On a eu une course absolument magique des voitures des années 70-80. Et aujourd'hui, et tout de suite je veux dire, parce qu'il va y avoir plein de courses aujourd'hui, nous allons avoir le peloton des voitures de 88 jusqu'à 98. Encore 10 ans d'histoire de la McLaren MP4-4 à la McLaren MP4-13 de Mika Häkkinen. C'est parti. Et on est bientôt lancé dans cette deuxième course de la journée. Départ ici au circuit Paul Ricard. Oh, et les bruits qui se distinguent déjà entre les V12 et les V10. Celui de la McLaren MP4-13 retentit dans tout le circuit. Mais ici déjà ça sort large à la sortie de DS de la Verrie. Ça se dirige tout doucement vers Sainte-Baume, mais avec un peloton ultra paquet. Et voilà déjà les McLaren de 98 qui passent, qui fendent le peloton, qui dépassent les Williams. Oh, ça fait deux de front ici avant d'aborder la ligne droite du Mistral. Et c'est là qu'on va voir la différence de moteur. C'est parti, c'est lancé pour la plupart des McLaren. C'est beaucoup de McLaren dans ce peloton. McLaren, Williams, Ferrari. Oh, attention, gros décalage ici pour celle-ci. Et la Ferrari de 95 qui va bientôt se faire avaler, je pense, dans le droit de signe. Est-ce qu'il va y aller? Est-ce qu'il va y aller? Non, il va attendre un petit peu. Et on voit maintenant la caméra embarquée du pilote Ferrari. Et derrière, ça fait deux de front. C'est absolument incroyable ce qui est en train de se passer ici en direct du circuit Paul Ricard. Ça se rapproche. Mais ici, beaucoup de voitures. Grosse dérive de la part d'une MP4-4. Ça laisse la place pour une Williams FW14 de 92. Et celle-ci, c'est la McLaren de Damon Hill. La Williams de Damon Hill, pardon. Alors que le pilote ici vient de lever la main pour faire part de son mécontentement. Calmez-vous, messieurs, et faites une course propre. Et ici, bagarre totalement en caméra embarquée entre ces deux bolides mythiques. Alors qu'on a déjà bouclé un tour, c'était extrêmement rapide. Et ici déjà, deux McLaren MP4-4 de 88 qui vont faire un 2 de front alors que les deux autres Williams vont venir s'intercaler à l'extérieur. Magnifique dépassement de cette Williams FW14 qui a fait deux voitures d'un seul coup. Ah oui, les MP4-4 qui sont les voitures les plus vieilles de ce peloton, qui forcément ont un peu de mal à résister au moteur et au châssis plus récent. Voilà, ça déboîte de tous les côtés. Ah, et ça tient quand même en ligne droite hein. Pour la McLaren, ça se décale partout. Attention à ce qui va passer à l'extérieur. Blocage de roue pour la voiture avec laquelle on est en caméra embarquée. Et un gros accrochage derrière une voiture qui était en tête à queue. Elle s'est fait percuter. Qu'est-ce qui s'est passé? On va sans doute avoir un replay de voitures en accrochage. Ouais, voilà, on a le replay de ce qui s'est passé. Elle prend. Oh, elle se fait percuter, d'accord, par la Ferrari de 95. Et ici, ah, à peine eu le temps de voir. Deux Williams se sont rentrés dedans, malheureusement. Et ça va devoir passer au stand. Retour au direct. Et ce peloton d'une presque une dizaine de voitures, 8 voitures exactement, en bagarre, c'est absolument incroyable. C'est vraiment incroyable à regarder ce genre d'image. Et voilà la McLaren de tête de 98 de Mika Häkkinen, qui est vraiment toute seule devant. Mais ça, ce n'est pas une surprise. Absolument mythique et magnifique comme voiture. Avec, on se rappelle évidemment des images historiques à Monza. Oh, attention! Ça fait des côtes à gauche, ça se touche même carrément. Oh, et encore une voiture à l'envers. C'est une Ferrari de 95 qui s'est retrouvée à l'envers. Peut-être celle qui a mis en tête à queue la McLaren de tout à l'heure.
Et elle arrive à repartir sans trop de dégâts, j'ai l'impression. Ici, qu'elle est embarquée avec un pilote autrichien, je crois, qui pilote cette Williams. Et je peux vous dire qu'ici en cabine au Paul Ricard, on entend résonner des bruits de V12 et de V10 absolument magnifiques partout autour de nous. C'est ce qui manque à la Formule 1 moderne, évidemment. Alors que là, une McLaren 98 essaye de se frayer un chemin, mais elle n'arrive pas vraiment. Beaucoup de voitures beaucoup plus lentes devant lui. Réussir quand même à passer dans les prochaines lignes droites. Peloton emmené par cette Ferrari. Ferrari qui était concurrente de Benetton pendant les deux premières années Schumacher, mais qui ont failli à leur tâche, alors que derrière ça se décale au freinage. DS de la Ferrari, et je crois qu'une Williams s'est passée sur l'autre. Je crois que oui, celle-là a perdu une position. Voilà, c'est très serré. Je crois que ça s'est touché là. Entre les deux. Et peut-être enfin que la McLaren derrière va pouvoir passer. On espère pour lui quand même. Ah, ces caméras embarquées sont toujours très sympas quand même. Ah, c'était pas très long, mais... Et voilà, le peloton qui s'est écarté maintenant. Les voitures sont beaucoup plus séparées qu'au départ, forcément. Mais on va vous laisser profiter des bruits magnifiques pendant quelques instants. Voir en action cette McLaren MP4-4, alors que ici un petit groupe de 4 s'est formé. Et enfin, c'est toujours le même que tout à l'heure, mais la McLaren a réussi à passer, et peut-être va-t-elle passer ici à l'extérieur sur la Ferrari. Elle pourrait commencer une autre remontada. Elle est passée, voilà, dans le premier S avec ce casque orange, vraiment très bien trouvé, je trouve. Et ça y est, elle va pouvoir se démarquer et partir très loin. Grande finesse dans le pilotage. Oh, alors qu'ici ça tente encore des dépassements suicidaires. Attention, la McLaren qui tente de riposter. Elle va encore tenter à l'intérieur ici. Oh, elle est repassée, magnifique. Très belle bataille entre les deux pilotes. Mais là, à mon avis, ça va repasser pour... Oh, elle sort un petit peu large, hein, cette McLaren. Évidemment, le directeur de course n'est pas aussi sévère qu'en Formule 1. Mais peut-être va-t-il avoir un avertissement ici. Est-ce qu'elle va passer? Oui, on n'a que l'image de fin, mais elle est passée, la Williams. FW18, hein, pour être plus précis, celle de Damon Hill. Et alors que les 5 tours sont déjà passés, oui, c'est déjà terminé. Victoire ici au circuit Paul Ricard pour la deuxième course de la McLaren de 98. Course absolument dominée de bout en bout. Et la deuxième McLaren qui arrive juste derrière, est une Ferrari 95 qui arrive en troisième position. Voilà le top 3. Et voilà les petits groupes qui arrivent derrière, des Ferrari, des Williams de tous les côtés, et d'autres McLaren plus vieilles, celle-là.
Voilà, deuxième course de la journée terminée ici au circuit Paul Ricard. Et cette course était vraiment absolument fantastique. On n'a vraiment pas vu le temps passer. Honnêtement, je pensais qu'on avait déjà fait que 3 voire 4 tours, mais pas 5. Ça m'a semblé extrêmement rapide. Et ces bruits de moteur qui retentissent autour de tout le circuit, c'est vraiment fabuleux. Mais bon, on va faire une toute petite pause et juste après, on aura une petite surprise présentée par Renault, directement Renault par eux. Un petit spectacle en Formule 1, c'est ce qu'ils nous ont dit. À tout de suite.
Et puis nous sommes de retour ici au circuit Paul Ricard. On nous a dit par l'équipe Renault que tout était en place pour ce qui va suivre. On nous a indiqué un spectacle en Formule 1 par un nouveau pilote qui sera annoncé pour la prochaine saison de Formule 1 chez Alpine. Ils ont sorti la voiture de 2018 pour faire cette démonstration. C'est parti, on a l'image tout de suite. Elle est positionnée à la sortie des stands. Et elle va s'élancer pour quelques tours de démonstration. Ils ont sorti la voiture de 2018 pour car c'était la première année où Renault courait avec le nouveau circuit Paul Ricard. La 2018 était l'année où le circuit Paul Ricard est revenu en Formule 1 officiellement. Et ils ont ressorti cette voiture, autrefois piloté par Carlos Sainz et Nico Hülkenberg. Mais celle-là, regardez, arbore le numéro 13. Oui, ce n'est pas une illusion. Non pas de Fernando Alonso qui est actuellement chez Alpine Renault, mais du prochain pilote qui sera annoncé pour Alpine pour l'an prochain, pour sa prochaine saison de Formule 1. Il a déjà commencé à faire quelques tests. Et on le voit courir ici devant le public. À pour l'instant faire quelques tours. Mais je pense ça ne m'étonnerait pas qu'il fasse quelques donuts et quelques burn-out, comme on dit aux États-Unis, devant le public pour célébrer la foule. Regardez si on arrive à voir sur le volant, je ne sais pas si la vitesse est affichée. Mais on tape au moins les 330 ici dans ce gros freinage. Freinage à 100 mètres. Et après, voilà, la grosse montée sur les vibreurs. Vraiment en confiance le pilote français. Sur cette RS... RS combien? Je sais même plus comment elle s'appelle. RS18, je crois. Oui, RS18. Et oui, car c'est la voiture de 2018. Excusez-moi pour cette petite perte de mémoire. Allez, il va arborer son troisième tour. On nous a dit que ça durait 6-7 minutes en tout, ce petit show. Donc je pense que ce sera son dernier tour. Et qu'il va se faire des donuts, je pense. En tout cas, à la fin de ce tour-là. Voilà, on entend la foule applaudir à chaque passage. Toujours très sympa, une très bonne ambiance ici autour de tout le circuit. Ouah, toutes les étincelles qui jaillissent ici de cette RS18. Ah, il ralentit, qu'est-ce qu'il fait? Et bien voilà, je vous l'avais annoncé. Il fait des donuts devant la foule. Foule qui se lève et qui applaudit évidemment. Le jeune pilote français qui doit s'amuser là dans cette dans cette voiture. Alors on a le onboard, hop, très sympa. Ah, peut-être un peu tard du coup.
Ouais, et il va repartir. Ouais, il y a un peu de glissade, hein, ça m'étonne pas. Vu comme il a dû entamer ses pneus là-dedans. Ou alors qu'il monte sur le vibreur ici. Je l'aurais pas fait. Perso, je l'aurais pas fait. Très fluide hein, dans ses trajectoires, vraiment très beau. Et oui, on nous annonce officiellement que c'est son dernier tour. Et je pense qu'il va refaire la même devant le public ici. Et voilà. Et voilà, vous entendez la foule. Il prend l'excuse du vibreur pour partir en tête à queue devant tout le monde. Alors on est là pour s'amuser aussi hein, aujourd'hui au circuit Paul Ricard. Vraiment très sympa, comme d'habitude. Et il va donc rentrer. Il va rentrer au stand. Voilà. C'est terminé pour cette petite démonstration du nouveau pilote français qui devrait arriver en Formule 1 chez Alpine. Dans les prochaines années ou les prochains mois, on ne sait pas. Et dans tous les cas, on va faire une dernière pause pour prendre la direction de la dernière course qui va avoir lieu. Les voitures de 2000 à 2010. Les voitures les plus impressionnantes, si on peut dire, de ce plateau. 20 voitures vont courir. Des Red Bull RB6, des Ferrari F2004, des Renault R26, des McLaren de 2008. Il va y avoir vraiment de tout. Restez ici. À tout de suite. We'll be right back.
de retour une ultime fois sur ce circuit Paul Ricard pour la dernière et ultime course de ce Grand Prix de France historique. On m'annonce que les voitures sont prêtes sur la grille et on a devant nous deux Red Bull RB6 sur la front lane. On va directement avoir l'image du départ. C'est parti pour la dernière course de cette journée. Et c'est parti ici pour la dernière course. Trois Red Bull sont devant pour ce départ. Et alors que derrière ça se décale de tous les côtés, entre les Ferrari, les McLaren, les Brown, les Renault. Et c'est bien une Red Bull qui va ressortir première du premier virage. Et derrière déjà trois de front. Il y a une McLaren de 2008 qui est venue s'intercaler entre tout le monde. Et alors que ici ça tente de tous les côtés entre les Ferrari F2004. C'est vraiment incroyable ce qui est en train de se passer ici dans les premiers virages. Et alors que, wow, ça tente. Et ici déjà la première sortie sur la ligne droite du Mistral. Ça va prendre l'aspiration de partout. Et on va voir la différence entre les V8 et les V10. Regardez derrière les Ferrari qui vont venir déposer les Red Bull et les McLaren. Oh, alors grosse bataille ici entre la McLaren et la Red Bull. Ça ne lâche rien de tous les côtés. Les pilotes en veulent. Et derrière ça va se décaler. Ah, est-ce que la Ferrari? Oui, la Ferrari, je pense qu'elle va passer sur la McLaren avant avant signer. Même deux voitures d'un coup, magnifique. Regardez la différence de vitesse. Oh, et attention, deux de front ici dans signe entre la Brown de 2009, championne du monde, et la Ferrari 2007, championne du monde également, avec Kimi Raikkonen by one point. Et devant, on les a pas trop aperçus. Il y a des Renault R26 de 2006 et là des magnifiques F2002 qui essayent de rattraper un peu le peloton. Un petit écart s'est formé entre les un gros peloton et ces voitures là et voilà l'arrière de la course. Étonnant que cette F2002 soit derrière, mais retour devant entre les Ferrari, les Red Bull, les Williams, les McLaren. Vraiment magnifique ces voitures. Le bruit est absolument incroyable autour du circuit. Ces bruits de V10 atmosphérique. Ah, ici, est-ce que la Red Bull va tenter de prendre l'aspiration? Est-ce qu'elle va réussir surtout Et non, elle se fait déposer. Et même peut-être que derrière, la Williams, voilà, elle va déboîter à l'intérieur. Et elle va passer sur la Red Bull sans grande difficulté. Mais freinage un petit peu tardif quand même pour cette voiture de 2003. Les Red Bull qui ne peuvent absolument rien faire. C'est les voitures les plus récentes, mais les moins rapides. C'est un petit peu l'inverse de tout ce qu'on a eu pour l'instant sur les premières courses. Et voilà, la sortie de signe absolument impressionnante. Et cette ligne-là qui se suit, ce train d'enfer dans le dernier secteur. Ou alors qu'une Renault qui... Ouh, attention! J'ai l'impression qu'elle est venue toucher la McLaren, c'est pas sûr. McLaren de 2008. De Lewis Hamilton. Qui avait remporté le championnat mythique dans le dernier virage du Grand Prix du Brésil sous la pluie. En dépassant Timo Glock. Et en ligne droite, ouais, elles ne peuvent rien faire. C'est... ces voitures au V8 Atmo. Oh, attention, il y a eu un petit écart de la part de la McLaren et contact direct avec la Williams FW25. Et elle a pris des sacrés dégâts à l'avant gauche. Il n'y a plus du tout de flap à l'avant gauche. Ça va être compliqué de revenir, surtout que la Renault va pouvoir passer. Et non, ça va être le problème pour la Renault maintenant. La Williams, c'est... ouais, elle tente. Je pense qu'elle a eu l'information. Mais c'est le problème, c'est que elle a moins d'aéro. Mais elle a un moteur tellement plus puissant.
Allez, peut-être qu'ici dans Signe, après le double droit du Bosset, elle va pouvoir tenter. Oh, déjà ça se décale à l'extérieur sur le vibreur. Et attention, contact. Contact, elle est partie tout droit. La Renault, qu'est-ce qui s'est passé? J'espère qu'elle n'est pas allée toucher le mur. Est-ce qu'elle est encastrée dans le mur? On a l'image tout de suite. Non. Oh, gros dégâts sur l'aileron avant. Plus du tout d'aileron avant gauche. Est-ce qu'on va avoir le replay? Je n'ai pas l'impression. Gros, gros, gros accrochage. Et elle va tirer tout droit. Et est-ce qu'elle va s'arrêter? Il y a un poste de commissaire ici. Oui, elle va s'arrêter là, la Renault. Elle va sans doute couper son moteur ici et abandonner là. Elle ne va pas rentrer au stand. Mais celle-là est rentrée au stand. La Williams de 2003, victime d'un accrochage avec la McLaren. Et ici, le train de tête, je crois. Entre DF 2004, des Williams, même des Red Bull qui arrivent à tenir le rythme. Non, ce n'est pas le train de tête, excusez-moi. Course d'enfer pour l'instant, dans ces premiers tours sur 5. Elle est vraiment très proche, cette Williams. Va-t-elle pouvoir passer sur la mythique F2004, réputée pour être une des voitures les plus rapides de tous les temps en Formule 1? Et ça tape le rupteur carrément dans Signe. Incroyable. Oh, c'est vraiment très proche ici dans le double droit du Bosset. La moindre petite erreur et ça peut être le carton total, le carnage. Et la Red Bull qui arrive à recoller grâce à ça, grâce au fait qu'elles se ralentissent un peu mutuellement devant. Vous voyez les volants qui étaient beaucoup plus rudimentaires que maintenant. Maintenant on a des écrans quasiment tactiles, certains même. Là on a vraiment... Ouh, attention, il y a dû avoir des gros carnages ici dans les S de la Verrerie. Il y a des débris et des pneus de partout. Est-ce qu'on va interrompre la course? J'ai pas l'impression pour l'instant. Les pilotes vont devoir faire très attention. Mais ça n'a absolument pas perturbé cette F2004. Là aussi il y avait des débris. Cette F2004 qui mène un train d'enfer tout simplement en tête. Dans ce troisième tour. Ouais, des débris un peu de partout. Ça m'étonnerait pas qu'on interrompe un petit peu la course. Et ici voilà, ça a regroupé plusieurs voitures pour une bataille finale. 4 voitures et même peut-être 5 vont se battre pour les places d'honneur. Allez, peut-être va-t-elle pouvoir espérer de passer un moment ou un autre cette Williams. Même avec l'aspiration, ça ne va pas passer. Et je trouve que cette rentrée dans le droit est absolument incroyable avec cet angle de caméra. Et peut-être qu'au fond, on va voir la Renault. Est-ce qu'elle est encore là? Oui, 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 elle est encore là, la Renault. Elle n'a pas été enlevée de la piste. Et alors que l'F2004 arrive. Et maintenant c'est les Red Bull qui arrivent. La course est terminée pour toutes ces voitures. Déjà, elle est déjà finie. Et ça arrive maintenant pour les places d'honneur. Ça s'est bagarré de bout en bout entre les Ferrari et les Williams. C'est là où il y a le plus de marques, plus de voitures différentes, la catégorie. Le plateau où il y a plus de spectacles aussi. Entre, voilà, avec ce plan drone, les Ferrari, les Williams, les Red Bull, les McLaren et même les Renault qu'on n'a pas trop vu malheureusement. Y compris une accidentée. Malheureusement pour eux. Peut-être qu'elle va terminer la course. Enfin, peut-être qu'elle va repartir après sans danger. Et qu'elle va finir. Et voilà une Williams qui était beaucoup plus loin dans le peloton. Celle qui a eu un arrêt au stand en plus. Et ça, c'est les deux derniers de la course. Entre la Renault R26 et la F2007. Qui vont terminer toutes les deux. Cette course était absolument incroyable et extrêmement mouvementée. Et voilà l'arrivée ici
des dernières voitures au circuit Paul Ricard. Et alors qu'on me dit que la Renault est repartie, celle qui avait fait un tout droit. Oui, voilà, elle est là, elle est dans le dernier virage. Ah, et elle va faire comme la Renault de tout à l'heure, celle de 2018. Elle va faire des donuts devant le public avec un bout d'aileron en moins. Et voilà, journée terminée pour tous ces pilotes, pour le public aussi. Vous entendez l'ovation faite par le public. J'espère que vous aurez apprécié autant que moi tout cet événement, ce Grand Prix de France historique qui aura été historique pour le coup. J'espère vraiment que vous avez passé un agréable moment, qu'on aura l'occasion de revivre d'autres moments comme ça de sport automobile historique dans le futur. Et dans tous les cas, moi je vous dis sans doute à bientôt pour de prochains événements à couvrir. En commentaire, passez une bonne fin de journée à tous. Au revoir.